entre Pau et Saint-Cyr-Dalmédat, 24e journée, bien sûr, un match nul pour Pau et son guépard. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Et oui, sur la chaîne ici, on partage une grosse opportunité avec vous. Ceux qui ont envie de monétiser, bien sûr, la chaîne YouTube et aller plus loin aussi pour prendre une formation YouTube avec nous, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Et oui, le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo, bien sûr. Donc, on va rentrer dans ce vif du sujet concernant Pau et Saint-Cyr-Dalmédat. Ils ont obtenu un deuxième nul consécutif. C'était ce samedi 10 février 2024 lors de son déplacement sur la pelouse de Paris FC à l'occasion de la 24e journée de la Ligue 2 française. Dans un match âprement disputé, Parisiens et Palois se sont séparés sur un score 1 but partout. Titulaire, le milieu de terrain a joué tout le match. Vous voyez, c'est-à-dire, bon, cette fois-ci, sans en carton jaune, Saint-Cyr-Dalmédat a participé à 21 matchs, 14 titularisations, bien sûr, cette saison et a marqué un but. Pau totalise 34 points et occupe désormais la 8e place au classement. Et Saint-Cyr-Dalmédat, on est content pour lui parce que cette fois-ci, il n'a pas écopé de carton. Et en tout cas, Saint-Cyr-Dalmédat, c'est un milieu de terrain à béninois qui fait très très mal. Il joue véritablement. En tout cas, laissez vos commentaires par rapport à cette performance de Saint-Cyr-Dalmédat et son club. Saint-Cyr-Dalmédat, c'est vrai, bon, il durcit. A demain donné son jeu, rabassant des cartons par-ci par-là. Cette fois-ci, il ne l'a pas pris. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à tout de suite pour un nouveau flash. C'était moi, Luis Premier, votre 3 ans sud doué des finances du foot business et de l'industrie musicale. Ciao.